Ouais, petite session de loin. Perchéasp aujourd'hui. Oh putain, sur la perche ça. J'ai mis un petit leurre de surface à la perche là. Ah, je crois que c'est un aspe ça. Voilà, un chenal. Un petit aspe. Non, c'est un petit aspe. Il est beaucoup trop. Ça va faire 40. Oh putain, l'œil, c'était pas mal. Impeccable. Je suis passé sur le méga bass Dog X Speed Slide. Il m'a rapporté quelques aspes cette année là. Et l'année dernière, c'était un tueur à perche là. Je sais pas ce que c'était ça. Ça sent bien, ça sentirait bien la perche quand même. Oh putain. Il y a un poisson là-bas, je sais pas si c'est un gros chevent, ça m'étonnerait quand même. Oh putain, ah, ça sent la perche là. Ok. Pas vu, hein. La fleur là, ouais, écoute la peau du cul, mais putain, c'est le seul leurre méga basse que j'ai acheté, mais honnêtement, c'est une chose.
Ah putain, elles sont en dessous. Je sais pas si on va aller voir la canne là. Avec Milo. Putain, le temps que je le mette là, il y a un petit banc de perche qui vient d'arriver là. C'est un peu le bourrin mais... Ah putain le bâtard! Ah putain! Dégoûté! Évidemment, j'ai pas la cam sur la tête et je filmais pas alors. Je fais une petite perche là. Ah putain! La pierre. Eh, piqué. Oh, c'est une perche. Putain, elle a pas l'air d'aider. Faut juste 80. C'est bizarre, ça fait comme le toit. Putain, oh putain, il est encore derrière. Voilà. Il y en a une pour moi, deux. Putain, j'ai ramené le banc. Ah bah c'est décroché. Allez là. Ouais, belle petite zébrée là. Franchement je kiffe trop les perches, c'est trop beau quoi. Ça a vraiment des couleurs de ouf quoi. Voilà ça, putain, magnifique. Et ça fait ta star. Super. Ah si, c'est quoi ça? Putain, c'est sympa. Non. Ah, c'est un fil. Putain, ils ont cassé. Qu'est-ce qu'ils ont branlé là? Il y a une carpe au bout là. Il y a les carpistes au-dessus là. Je trouve que c'est à eux. Ça. Ils ont pas de cassé là-dessus quand même. Non, c'est un barbillon. J'hallucine, genre j'ai gratté un fil avec un barbillon au bout quoi. Là va falloir que je me foute à la flotte pour le décrocher. Ouais, je prends le choix, faut que je rentre dans l'eau. Oh le délire toi. J'essaie de pas lui mettre mon hameçon dans les yeux. Putain, qu'est-ce qu'ils font, Potter? Chut, il n'y en a pas beaucoup.
La loulou. Va y pas. Perte dans le banc de vif là. Oh, oh putain, derrière. La bande perche. Il n'y a pas le Ryuki, c'est l'ordre du jour. Hein. Moi j'en ai fait une à la cuillère tout à l'heure, mais quand même. Ah, j'ai chopé une feuille, putain. Putain, ça suit, ça suit. Ah oh, si j'en ai eu, putain, je l'ai pas vu arriver. Oh c'est bon ça. Oh m'a surpris, et il y en avait une autre derrière. Viens voir cocotte. Ah oh, elle est pas vilaine. On va faire un bon 20 cm. Ah oh, super, oh putain, joli. Joli, joli. Calme. C'est que je croyais que j'avais tapé la pile. Putain, c'est piqué là aussi. Elle est belle. Ah, ça fait un bon vin ça. Entre 20 et 25. J'espère que je suis bien cadré là. Magnifique. Ouais, il y en a encore derrière. Ah ça a failli là. Ah les cons. Bon bah, apparemment le leurre là, il a l'air de leur plaire. Ah yes. Je l'ai droppé. Elle est pas très grosse. Chut. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et là, putain. En lui mettant des grands coups de sion, là, de jerk au leurre là. Ça le faisait désaxer. Putain, faut que je reprenne la pince. J'ai eu un radillon là aussi. Ah, il est passé où? Même son. Impeccable. Petite louloute. Et là. Poisson. C'est ça, il faut le... Ah bah décrocher. Bon, tant pis. Faut le twitcher, mais faire des twitchs appuyés pour le faire désaxer quoi.